Balianjaka zamani, wanakuwaka kwa siku za mingi, masazi naliaki nalia, tunakuwa mumapori. Ha, tunasikiaka mbaya, visazi ili naliaka mbaya. Na haujisikiake mzuri, jusa inalia, rohi napigia. Mimi nimeanza kimbiza hapa na havia huta kibirizi. Juna zala ba mapasa, nimeona sita waweza kukimbia na batoto. Njo nimeanza kuya mbele ya wakati. Mile mama wasiwasi sana. Siku ya tano si mimi na kuchunga tena na kuya. Faka kwa siku mbili. Manake tu. Mie ni maroni likimbiaka bila na kitu kimoe. Na nguo ya kuvala. Isi toka kakwembe kenavala pale. Apa sina na nyinde zishanjemu. Vile tuma nifataka beba baba batoto. Njobe eni likimbizaka. Najua kila mutu kuna jiponisho kuna kimbia mbio mbio. Hawezi ungeza joga matena mumikimbia bangapi. Nilifungiaka mwingine mgongo na mwingine nimitia kutumbu. Kisha njo tumefata panda kule kubilima kasa senjo kinyamu yao. Karibu. Saba lifika, njo, nasi tukapapokee. Na kwa leo, tunashina vo, saa tunapata, tunakula. Tukakosewa, tunashina njala mangaribi, tunakula limwa kusiku. Na siku tulibarikiwa, tunakula kamara pili kusiku. La situation que nous vivons au Nord Kivu aujourd'hui n'est pas en réalité une situation nouvelle. Nous sommes dans une sorte de continuum, plutôt de cycle. Régulièrement, on voit revenir des violences qu'on croyait dépassées. Des tueries sommaires, et des tueries ciblées, et des leaders dans la communauté locale, et même des tueries à masse. Alors, quand ça arrive comme ça, quand ça revient, ça devient quelque chose qui effraie les gens. Et vous allez trouver la population qui est toujours à panier. On ne sait pas où aller. Jou, vite, n'y a pas n'a pas, il n'a pas. Maintenant, il y a un gombana, il y a un vichama, il y a un kimbili, il y a un migini, il y a un kimbizi mwinji yetu. Natoka Ruchuru, tukefisikia unagana kuko vita. Kukimbia tukekuya lwa migulu, ti tukelala munjia siku ine. Batoto migulu imevimba, wengine mamimba kutoka, wengine wanakufia munjia na babebe, wengine wanakufa juu ya njala. Niko na batoto tatu na mimba ya ine, mesi na bwana likufia muvita. Alikufia paka hunga, alikuwa civil. Tukenda na pari perdi na mpiga kukifu. Wakati ni mpiga kukifu na pale pale na kuanguka, kurudia hivi nyuma, akekufu. Akekata pale pale kamba. Nikenda ona hakuna mwae ya kumuzika. Nike kamata batoto, nike kimbia tukiacha pale maiti ya kuziki waka. Kuna mungama ipina, leko na nao. Bodepu inifiki hapa, mai tuko naenda shota, bananja tulipisha, tuanje tulipe. Yengine tuko naenda iba sombe ya batu na matembe la batu wanatukimbiza na tatu kati ya na mshamba.
Nilitoka Kibirizi, M23 na mishafika Kibirizi. Wakawa na mvwaze wangu. Senye bali mwaka se tumisho na kumaiti, marama tukakui. Kusema nifike Kanyabose. Njoni mwona maisha Kanyabose na nishinda, nina kujia Kibirizi. Habari, nilitoka Kibirizi, nina lima mihogo. Nilikuwa naambia se mihogo yote basha iba. Na nyumba walibomolaka wakaba vitu vyote. Njoni mwona mina kujia Kibirizi, nijuni niende tafuta, juni pati, gizi ya kuishi. Ndio ni mataru dena. Mage nataka kamata moto juu nifika Kibirizi nitumika njoo nimulipa. Huko baba sisi ni kitu zetu. Hapa na wingi hata walibia. Mko naye? Tunakurepuria. Ils ne sont plus sur leur logis, ils ne sont plus dans leur maison, ils ne font plus le champ. Donc il manque de tout quoi. Il manque l'abri, il manque la nourriture et il manquait aussi le soin. Nous savons que ça brûle à l'intérieur quoi. Toutes ces atrocités, ça affecte du point de vue mental et physique déjà plus d'une année déjà, qui sont en train de fuir leur loyer, leur foyer, ils laissent les champs, des fois ils laissent les enfants. Certains ne savent même pas où se trouvent les enfants jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de me choquer, je suis en train de me choquer. 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 Je n'ai pas de ma coute, je n'ai pas de ma coute. 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 Je n'ai pas de Fungule masomo ifunguliwe. Juu kwa shakwabi werewere sana mugine, juu masomo haiko. Juu watoto wanatushinda. Juu kuishinda mugine. Et ce que nous sommes en train d'observer auprès de la population, et la génération qui n'est dans cette situation, on risquerait d'avoir une génération non préparée pour le bien-être humain, puisque les jeunes risqueraient de croire que la vengeance c'est aussi une vie normale. Et on risquerait de croire que le pillage, c'est quelque chose de normal. Je ne sais même pas si au Congo on peut parler d'impunité. Je pense qu'il faut parler plutôt de la banalisation de la violence, c'est-à-dire créer un groupe armé ou prendre des armes est devenu un acte valorisant, presque modèle. Et donc cela fait que tout petit seigneur de guerre rêve chaque matin qu'il va finir à Kinshasa, à l'état-major de l'armée et pas en prison. C'est incroyable que des gens qui ont été impliqués dans des viols, dans des assassinats, dans des tueries, ils se baladent, ils sont valorisés, ils sont chantés par les musiciens. Le président Tshisekedi évoque souvent la justice transitionnelle comme un des moyens de réduire l'impunité. Mais comment tu mets en place une justice transitionnelle quand les perpétrateurs des crimes sont les détenteurs du pouvoir. Comment ?
On voit quand même qu'il y a une disproportion entre l'aide humanitaire et les besoins qui sont dans tous les camps. Là, nous partons dans le camp déplacé de Rosayo. Comme vous l'avez remarqué, ce camp-là, il est un peu éloigné de la route. La population qui est dans ce camp-là semble être abandonnée. L'accès à la nourriture, il est très difficile dans tous ces camps-là. Tu peux voir des enfants avec la malnutrition. Il y en a ceux qui ont même développé des formes graves de la malnutrition comme le kwashiorkor. Il y a beaucoup de décès qui sont enregistrés dans tous ces camps à cause de toutes ces problématiques-là. Même quand ils décèdent, ils n'ont pas d'endroit où enterrer leurs morts. C'est provoqué une maladie. Ils sont en train de dire qu'il manque la nourriture et il manque aussi des casseroles. Il dit que c'est la faim qui va les exterminer ici. Ok, ils disent qu'ils sont en train d'aller chercher des bois de chauffage dans la forêt, et donc avec des risques de violences sexuelles bien entendu. Il y a ceux qui partent à côté du camp de Boulengo pour chercher le bois. Ils racontent les bourreaux là-bas, on les viole. Ils viennent me raconter ça. Il y a des femmes qui sont... leurs maris sont morts dans la guerre. Ils n'ont personne pour les aider. Et encore, ils ont eu cette misère-là d'être violés. Les autres ont été violés dans la forêt et loin du centre de santé parce qu'il y a ceux qui sont violés pendant la guerre. En fuyant la guerre, ils ont dépassé les 72 heures d'avoir pris le kit PP. Malheureusement, ils se retrouvent, il est déjà engrossé. Il y a ceux qui sont engrossés et avoir encore les maladies sexuellement transmissibles comme le sida, je les écoute seulement. Je leur donne un peu seulement des conseils. Je leur explique seulement comment ils peuvent supporter ça. Et de se donner seulement du courage. C'est une guerre contre les femmes. Parce que leur champ de bataille, ce sont nos corps de femmes. Partout où il y avait des conflits, il y a toujours des viols. Mais je crois que d'abord, c'est la promiscuité, la vulnérabilité, et il y a plusieurs facteurs qui font que les femmes ne savent pas se défendre et surtout ils sont dans des conditions où elles ne peuvent pas se défendre. Peut-être que les hommes profitent de cette vulnérabilité des femmes, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le viol, c'était pour détruire. Malgré tout cela, ces communautés continuent à vivre, ces communautés continuent à organiser des mariages, ces communautés, quoi qu'on dise, se rencontrent dans des marchés et dans des églises parfois. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette résilience, en fait, pour utiliser un terme barbare? Qu'est-ce qui est à la base de cet attachement à ce que ce tissu ne se déchire pas complètement? Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de solidarité qui est surtout incarnée et induite par les femmes. L'autre facteur qui n'est pas trop visible, c'est cette sorte de hargne, d'envie de ne pas céder. Ce sont des petits riens, mais qui, mûnent des riens justement, contribuent à ce que ce minimum-là persiste. Je me forçais à me débrouiller par le commerce. Malheureusement, la guerre est arrivée. Je suis restée vraiment en main vide. Mais si je rentre à Rutshuru, je me débrouillais avec mes commerces et j'ai fait grandir mes enfants. Elle est déjà en quatrième. Même s'il n'étudie pas cette année,
Je dois m'efforcer qu'elle rentre encore à l'école. Si Dieu nous accorde la vie et qu'elle nous rentre chez nous, je vais la remettre à l'école. Et pour les autres, vraiment, je préfère qu'il étudie pour qu'un jour, qu'ils soient des citoyens utiles dans le pays. Si Dieu peut nous aider demain ou après-demain, on rentre chez nous.